Bonjour et bienvenue sur la radio LFE, la radio qui décoiffe. Alors aujourd'hui, on va vous parler de la technologie. Donc les personnes qui vont traiter ce sujet sera Kylian. Bonjour Kylian. Bonjour Hugo, bonjour à toute l'équipe. Bonjour Thomas. Bonjour, bonjour Hugo. Et Rémi. Salut les gars. Alors comme premier sujet, nous allons vous parler de quelle est l'influence de la technologie sur notre vie courante. Donc première information, nous allons accorder la parole à Kylian. Alors effectivement, la technologie est arrivée dans les années 1970. À l'heure d'aujourd'hui, la technologie est un nouveau mot qui fait partie de notre quotidien. Car maintenant, les jeunes d'aujourd'hui, ils ne peuvent plus s'en passer de leur téléphone, l'ordinateur, tout ce qui est informatique. Et dans nos vies professionnelles, ça peut aussi largement nous servir, tout ce qui est de la programmation, tout ça. Et puis c'est là où l'informatique est devenue un métier, informaticien. Maintenant, moi, je suis d'accord parce que comment ils faisaient avant, les personnes, dans le temps, il n'y avait pas d'informatique, tout ça. Certes, avant, c'est sûr qu'il y a 30 ans maintenant, il n'y avait pas d'informatique. Mais je veux dire, maintenant, grâce à l'informatique, ça a évolué, puis ça évoluera toujours d'ailleurs. Mais je veux dire, maintenant, ça va plus vite, la simplicité. C'est plus pratique, ouais, effectivement. Voilà, et la simplicité, elle est là, quoi. Donc maintenant, on va passer la parole à Thomas qui va nous citer les avantages. Moi, je vais vous citer les avantages de la nouvelle technologie. Les avantages, c'est qu'elle simplifie la vie. Il y a l'accès à la communication qui est beaucoup plus facile. Il y a l'accès rapide des informations, comme Google, etc. Par exemple, Google et tout ça, des fois, ce n'est pas des sites fiables. Des fois, il peut y avoir des... comme Wikipédia, enfin les sites réseaux sociaux. Il peut y avoir des fake news. Des personnes qui mettent, alors. Puis, il peut y avoir des inconvénients, tout ce qui peut être harcèlement, et puis par les réseaux sociaux, même Google, tout ça. Enfin, des fois, il peut quand même y avoir des fake news, quoi, là, comme vous avez dit, comme Hugo a dit. Mais je suis totalement d'accord avec toi, mais des fake news, il y en aura toujours, et il faut... Il faut vivre avec, quoi. Ouais, ça fait partie d'Internet. Avant, c'était un peu un téléphone arabe, hein. Exactement, Hugo, je suis totalement d'accord avec toi. Et la nouvelle technologie, elle peut être un moyen d'occupation aussi pour les jeux vidéo. Maintenant, je vais laisser la parole à Rémi, qui va nous dire les inconvénients de la nouvelle technologie. Alors, moi, je vais vous dire que la technologie, pour moi, ses inconvénients, ça supprime des emplois. Ça en crée aussi, mais ça en supprime pas mal avec tout ce qui est robot, tout ça. Ça remplace l'être humain. Les ondes qui sont dangereuses aussi. Notamment la 5G qui fait débat en ce moment là. Ouais, puis même quand ça remplace, du coup ça met plus de personnes au chômage et tout. Je veux dire, maintenant on est en train de se battre contre le chômage, mais je veux dire, il progresse pas la chose en réinventant des robots, tout ça. Parce que justement, ça met encore plus de personnes de côté pour le chômage. Bah, c'est clair. Donc c'est bien un inconvénient. Ouais. Bah oui. Ouais, c'est vrai. Autrement, ça provoque aussi des addictions. On reste toujours sur le portable. C'est devenu un réflexe maintenant de le regarder sans arrêt. Ah ouais, mais moi je peux plus m'en passer, alors... C'est même un tic, hein. Tout le monde allume son téléphone. Le téléphone, limite, on peut dire que c'est notre vie, quoi, maintenant. Ouais, là, on a tout dedans, quoi. On l'a plus, on est perdu. Voilà, on est accro. Voilà. Aussi, il y a le danger oculaire à force de fixer l'écran, notamment quand on fait un jeu vidéo. Beaucoup de personnes portent de lunettes, du coup, en ce moment. Et également, ça augmente le taux d'obésité... les jeunes, enfin toutes les personnes en général. Alors moi j'ai les lunettes mais j'ai pas l'obésité. Ok, voilà. Kylian. Merci pour cette intervention. C'est peut-être à cause des écrans. Mais... C'est possible, mais il n'y a pas que ça non plus. Hein. Sûrement. C'est vrai. Donc je remercie à Rémi, Thomas, Kylian d'avoir parlé de ce sujet. Je vous souhaite une agréable journée. Et voilà, maintenant vous en savez un peu plus sur la technologie, et ses avantages, ses inconvénients. Voilà. Merci, merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Et pour terminer l'émission en beauté, je vous laisse sur la musique Merci France Télécom. Merci France Télécom d'avoir pu permettre à nos hommes d'ajouter au bruit de la ville et des klaxons la douce sonnerie du téléphone. Merci France Télécom. Permettre à nos hommes combien sont
sont-ils, combien sont-ils nos abonnés, branchés du soir au matin, accrochés au combiné. Allô, madame Trio, voudrait bien vous parler. Ok, je prends le bip et je te rappelle après signal d'appel ou option conférence, facture détaillée, Minitel et interférence. Entends-tu la cohue des ondes au beau milieu des airs? Ta voix s'accroche au satellite, retombera-t-elle sur la terre? Merci France Télécom d'avoir pu permettre à nos hommes d'ajouter au bruit de la ville et des klaxons la douce sonnerie du téléphone. Allô, allô. Pour s'écraser sur les fils électriques plongés, les millions de foyers dans le silence électronique. L'économie plonge, les finances paniquent. Le téléphone est devenu bien plus que pratique. Merci France Télécom d'avoir pu permettre à nos hommes d'ajouter au bruit de la ville et des klaxons la douce sonnerie du téléphone. Merci France Télécom d'avoir pu permettre à nos hommes d'ajouter au bruit de la ville et des klaxons la douce sonnerie du téléphone. Car défiant les lois de l'espace et du temps, oh, branché sur internet internationalement, oh, désir d'être partout, de contrôler à la fois ce qui te dépasse et ce que tu peux toucher du bout des mains. Merci France Télécom d'avoir pu permettre à nos hommes d'ajouter au bruit de la ville et des klaxons la douce sonnerie du téléphone. Merci France Télécom d'avoir pu permettre à nos hommes d'ajouter au bruit de la ville et des klaxons la douce that work forces
are the same that brought crosses. Some of those that work forces are the same that brought crosses. Some of those that work forces are the same that brought crosses. Killing in the name of. What they told ya. And now you do 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 what they told ya. I can run the control. And now you do what they told ya. I can run the control. And now you do what they told ya. I can run the control. And now you do what they told ya. I can run the control. And now you do what they told ya. I can run the control. And now you do what they told ya. I can run the control. And now you do what they told ya. You die, are justified. But wearing a badge and your chosen wife, you're justified. Those that died, but wearing a badge and your chosen wife. Those who died, are justified. But wearing a badge and your chosen wife, you're justified. Those that died, but wearing a badge and your chosen wife. Come on. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck.